Joyeux anniversaire nouvelle star. M6 célèbre les 20 ans du célèbre télécrochet ce mercredi 22 février. Au programme, un prime plein de nostalgie qui permet au public de retrouver les candidats qui ont marqué l'émission comme François Raoult, révélé dans la saison 8. Qui a radicalement changé de vie. Si est-il anniversaire de nouvelle star. L'émission culte de M6 fête ses 20 ans en grande pompe. Après un premier prime la semaine dernière, une nouvelle soirée présentée par Karine Le Marchand est consacrée au télécrochet ce mercredi 22 février. On y revoit des candidats qui ont marqué le programme comme Amandine Bourgeois, Amel Bent, Benjamin Sixou ou encore Camélia Jordana, ainsi que le jury historique du concours composé de Marianne James, Dov Atia, Manu Katché et André Manoukian. Parmi les anciens participants, on note la présence de François Raoult, révélé dans la saison 8. En quelques années, le chanteur a fait du chemin et il a opéré un virage à 360 degrés. En effet, il a complètement changé de vie. Nouvelle star, 20 ans, François Raoult a bien changé depuis sa participation au télécrochet. Souvenez-vous, le 16 juin 2010, les téléspectateurs de la 6e chaîne découvraient en direct les performances des deux finalistes de la 8e saison. Luce et François Raoult faisaient ainsi face au vote des aficionados de l'émission, non sans créer une véritable tension tant les deux candidats avaient marqué la saison. Mais si est-il la première qui a finalement reçu le soutien des fans? Cela n'a toutefois pas empêché le second de tenter sa chance dans la musique en sortant son premier single en mars 2012, puis son tout premier album, quelques mois plus tard, soutenu par Élodie Frégé. Auparavant, il avait également participé à X Factor, sans arriver à décrocher sa place jusqu'au prime. Nouvelle star lui aura donc été plus favorable, je m'étais toujours promis de tenter ma chance un jour depuis le collège. Les études m'ayant éloigné de cet objectif, j'ai fini par travailler dans des grands groupes et puis un jour, lassé de ce quotidien métro-boulot-dodo, j'ai décidé de tout plaquer pour tenter ma chance. La nouvelle star a été une véritable aventure humaine qui m'a permis de grandir et de rencontrer celui que je suis, explique-t-il à Gala. François Raoult, le finaliste de Nouvelle Star saison 8 s'est reconverti. Dans la cuisine. Depuis, il a mis de côté la musique pour se reconvertir. Dans la cuisine, je suis désormais entrepreneur dans la gastronomie et l'art de la table japonais. J'ai également créé un lieu de vie et de partage au sud de Nantes qui devrait ouvrir en mai prochain. Il s'agit d'une micro-ferme biologique et d'un lieu dans lequel nous organisons des événements autour de la musique, de la gastronomie. Celui qui est devenu papa d'une petite Gabrielle a donc décidé de s'orienter vers un domaine très différent, mais il n'a pas hésité à reprendre le micro pour l'émission Ses 20 ans. À lire aussi Nouvelle Star, 20 ans, que devient Luce, gagnante de la 8e saison ?